Eh bien, bonjour tout le monde, comment allez-vous bien? Je suis heureux qu'on puisse se retrouver sur cette série que j'avais lancée il y a assez longtemps, Mes Aventures, voilà, où je me baladais de clan en clan et je vous présentais différents clans. Parfois, je pouvais interviewer des personnes, là c'est un petit peu compliqué parce que je me trouve dans le clan, le fameux, le grand clan Savage 7. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce clan. En fait, c'est un clan Rush, mais qui est dédié au maximum à des HDV 7, pardon. Non, voilà, HDV 7 maximum, il y a des HDV 6, des HDV 5, même des HDV 3, et c'est un clan de rushers. Regardez, une majorité écrasante de champions, des niveaux hallucinants en termes de trophées par rapport à ces petits HDV. Et donc c'est un honneur pour moi de pouvoir faire leur rencontre, puisque en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un gars de leur clan qui m'avait attaqué, qui m'avait pris l'hôtel de ville à l'extérieur. Donc comme c'est d'ailleurs une chose qui se fait fréquemment pour pouvoir monter haut en trophée à ce faible niveau de village. Et du coup, bah je sais pas, ça m'a rappelé qu'ils existaient et que j'avais rien fait là-dessus comme vidéo. Je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui avaient présenté un petit peu ce clan et un petit peu leur activité. Et voilà, ça me fait plaisir, donc je suis chez eux, comme vous le voyez, j'ai été les voir, ils sont très sympas. Ils ont aussi une chaîne YouTube, si je l'ai pas fait, dites-le moi, rappelez-moi de le mettre en description, si c'est pas déjà le cas, de cette vidéo, pour que vous puissiez voir un petit peu leur replay de ce qu'ils postent par rapport à leur clan. C'est un clan qui est tout le temps full, ils ont été sympas, hein. Ils ont viré quelqu'un temporairement pour me laisser passer, prendre des enregistrements, discuter un petit peu avec eux. Donc c'est très sympa, donc j'ai connu deux personnes comme ça, et une deuxième que j'avais attaqué, c'est différent, ça je vous montrerai ça en milieu de vidéo. Là j'en ai profité pour attaquer, au moment où je fais cette vidéo, en fait, une heure avant, j'étais re-rentré dans le clan, j'ai lancé une petite attaque, je me suis dit, mince, j'avais oublié de record une attaque que j'avais fait chez eux, pour marquer le coup, avoir le blason Savage 7 sur mon attaque. Alors moi c'est pas comme eux, hein, vous voyez, j'attaque avec mes compos, là c'était entre autres une compo 5 golems et je sais plus trop ce que j'ai mis dedans, un peu de Valkyrie, un peu de sorcier, enfin bref, c'était une compo un peu fourre-tout. Revenons un petit peu au sujet de qui est le clan et leur activité. Donc c'est un clan rush, hein, c'est pas des farmers, hein, donc ils visent vraiment le plus haut au trophée, puis vous allez voir après dans cette vidéo le listing un peu des joueurs actuels. C'est dommage qu'il y en avait un qui était HDV 3, qui était à 3600 trophées, un truc hallucinant. Là j'en ai retrouvé un autre, vous verrez, qui est level 21, qui est à 3200 et quelques, donc qui est champion quand même. Il y en a un, le premier, qui a 4147 trophées ou quelque chose comme ça, enfin plus de 4100 trophées, et qui avec un HDV 7. Bon bref, c'est complètement démentiel tout ça. Alors essayons un peu de comprendre comment tout ça fonctionne. Déjà pour comprendre un petit peu leur activité, donc bien sûr il y a ceux qui vont sniper des HDV à l'extérieur, mais vous allez me dire, mais attendez, moi déjà avec mon HDV 9, 10, des HDV à l'extérieur j'en trouve quasiment jamais en master, je sais pas, 2, 1 c'est très rare, il faut tourner beaucoup, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est bien de revenir sur des fondamentaux, à savoir le matchmaking. Qu'est-ce que le matchmaking? C'est-à-dire comment les adversaires vous sont proposés lorsque vous faites une recherche en bataille multijoueur. Il y a bien sûr le rang de trophée, ça c'est évident, tout le monde le sait. Maintenant, il n'y a pas que ça comme critère de sélection, le niveau de l'hôtel de ville en fait partie. Et je ne pense qu'il n'y a pas que ça, on n'a pas la recette magique de ce matchmaking. On a des faits qui montrent que le niveau d'hôtel de ville impacte. Le fait le plus flagrant, c'est de le voir. Alors en même temps que je vous parle de ça, vous allez voir maintenant la liste des joueurs. Regardez, c'est impressionnant, le fameux 4142 trophées, voilà, pas 4147, qui est premier là du clan avec un HDV 7. On voit son village, c'est vraiment incroyable. Donc revenons sur le matchmaking. Le fait le plus incroyable, c'était par exemple de voir en low farming, quand on était en dessous de 200 trophées, cette fameuse zone où j'ai fait un tuto pour expliquer qu'on pouvait farmer des tonnes quand on était HDV 7, HDV 8. Maintenant c'est un petit peu moins vrai, puisque la zone se sature, et justement, on est tout à fait sur le sujet en question que je veux évoquer, le matchmaking, qui fait que quoi? Que pourquoi les HDV de tel et tel niveau, ça passe bien par rapport à ce qu'on trouve? C'est sûr qu'il y a des pénalités de butin par rapport au village qu'on trouve, s'il est d'un niveau de N HDV en dessous du vôtre, on va moins prendre de butin. Mais surtout, on vous propose les opposants qui correspondent le plus à votre niveau, et le critère HDV est un critère fondamental. Quand moi-même j'étais HDV 7, je low farmais à l'époque en juillet 2013, juillet-août, quand je suis passé HDV 8, j'ai déjà remarqué que peut-être 20% des villages qu'on proposait maintenant, il y en avait 20% en plus qui étaient du même niveau que moi. Alors qu'avant je les avais pas. Quand je suis passé à HDV 9, ça a été drastique, je ne trouvais plus du tout les cibles
à l'eau farmée, c'est-à-dire des HDV 7, 8 avec très peu de bâtiments, voilà, 6 avec très peu de bâtiments défensif, des réserves exposées, etc., avec 30K, 50K, etc., je ne les trouvais plus. Je trouvais 99,9% du temps que des farmers comme moi qui venaient là, et donc je tombais sur eux. Donc il fallait farmer des farmers et ça devenait complètement... la technique n'était plus du tout la même. Donc ça, c'est important, le matchmaking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, lorsque vous montez en trophée, plus qui maintenant de plus en plus de HDV 7, 8, 9 ont réussi à monter en trophée à la dure sueur de leur snipe, bah du coup, eh ben, vous qui montez HDV 8 ou HDV 7, vous allez trouver aussi plus facilement ces autres rushers de même niveau que vous. Donc c'est pour ça qu'on arrive maintenant à des résultats assez hallucinants. Donc il y a du coup des possibilités. Alors je sais pas si on l'a vu encore, je crois qu'on a vu un snipe d'HDV avant sur un master. Là on voit une défense, quelqu'un qui est trio en trophée, donc du coup qui n'a que un trophée à prendre, il va chercher que le 50% ou l'HDV. Donc là il s'est complètement foiré, vous avez vu la reine 40, elle a pas réussi à prendre l'HDV 7. C'est assez épique, ça, c'est pour ça que je vous mets ce gameplay là. J'ai trouvé assez amusant. Donc le snipe d'HDV est très important lorsqu'on trouve encore des HDV à l'extérieur, comme moi par exemple qui suis en champion et met l'HDV à l'extérieur. Je ne pense pas que le matchmaking soit capable aussi de vous proposer plus facilement des HDV à l'extérieur. Il y a eu une rumeur comme ça, ou pas une rumeur, plutôt des spéculations avec d'autres joueurs où j'avais parlé avec Lord Val de ça. Je pense qu'il y a d'autres critères que l'HDV, parce qu'on voit bien en garde clan que le niveau des héros, le niveau des murs, etc. joue. Je pense qu'il y a des critères qui, autres que l'HDV qui jouent aussi sur le matchmaking, même en bataille multijoueur. Mais ce n'est que spéculation. Ce qui est sûr, c'est que le niveau d'HDV, ça c'est un fait. On a vu les différences. Moi, je trouverais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'HDV 7-8 en champion, même en tournant aussi longtemps que le font ces gens-là. Ça m'est arrivé une fois, vous le verrez en vidéo d'ailleurs, que je l'avais déjà montré, mais je voulais la remettre, parce que justement, c'était contre un HDV 4 de chez Savage 7. Il y avait 11 trophées à prendre, je suis désolé, j'ai mis 100%. S'il me regarde, je suis désolé. Là on voit un gameplay assez intéressant parce que regardez, il a trouvé un HDV à l'extérieur en champion et en même temps il tente la deuxième étoile au full dragon de niveau 2, et c'est ce qu'ils font aussi de temps en temps ces rushers là. Donc il y a le snipe d'HDV, il y a la tentative de recherche d'une étoile au full dragon. Ils ne tentent pas trop aux archers parce qu'ils sont de niveau faible. En HDV 7, c'est des archers 4, ça paraît faible. Et s'ils sont HDV 3, laissez tomber. Ça devient vraiment trop hardcore. Voilà, donc ça, c'est important. Ensuite, on le verra, mais il y a... Il y a la problématique lorsqu'on cherche vraiment et que le matchmaking n'est pas bon, on n'arrive pas à trouver par rapport aux horaires, par rapport à plein de choses, on ne trouve pas des cibles qui conviennent facilement. On paye beaucoup finalement en or à un moment donné, et il ne faut pas être en pénurie d'or ou voir d'élixir si vraiment les gens jouent full dragon. Donc il faut savoir alerter snipe full dragon par rapport à ses ressources, et de temps en temps un petit farming c'est bien. Et on verra qu'il y a des gens qui farment avec les vengeances sur des anciens villages durant leur montée. C'est vrai que le log de vengeance c'est quand même assez conséquent. Vous pouvez trouver retomber durant votre rush à des HDV, on verra un HDV pardon, un village qui était en ligue argent par exemple, où il va lui choper simplement une attaque. Il n'y a pas de trophée à prendre, mais il y a les ressources à prendre. Voilà, donc là on voit la fameuse attaque à l'époque où j'étais chez Extreme Gaming GDC, où j'avais attaqué le bout de Savage 7 qui est d'ailleurs monté d'HDV depuis, je crois. Bon, je crois qu'il a fait son exploit et puis maintenant du coup il monte un peu. Je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui carrément gardent leur compte pour rester HDV 3 forever. Alors HDV 3, tiens, c'est, je sais qu'il y a petite dédicace à Léo qui avait parlé d'ailleurs de Savage 7 dans une de ses vidéos il y a très longtemps, et qui essaie, je crois, de faire le pari de monter Master HDV 3. Donc là on a vu dans la liste des HDV 3 en champion. Moi j'en ai vu un autre qui n'est pas là en ce moment dans le clan, mais qui était à 3600-3700 trophées. Donc là il n'y a aucun souci. Là on arrive à la vidéo dont je vous parlais, de quelqu'un qui farmait pour aller se remplir les réserves pour pas être à sec. Donc bah, c'est une bonne technique aussi. Donc là il en fout le dragon, certes c'est pas tellement en ressources d'élixir qui va se refaire, mais surtout avec l'or, voilà, avec l'or qu'il va récupérer, qui est important quand même pour payer les recherches, même si les recherches sont pas si chères que ça au coût à l'unité. Par rapport à leur HDV, c'est pas cher. Un HDV 10 paye 1000, mais un HDV 7, je sais plus combien il paye, mais c'est beaucoup moins. Par contre, la quantité de temps à chercher, faire next, au bout d'un moment, bah on peut s'essouffler avant de trouver son bonus, etc. Donc c'est pas forcément évident vu qu'on rush, donc on compte que sur le bonus pour se remplir la caisse. Et donc si on fait pas assez d'attaques et qu'on cherche beaucoup, bah on peut être à sec. Voilà, que vous dire d'autre? On a parlé du matchmaking, on a parlé un peu des defs. Alors les defs, malheureusement, quand je me connecte le matin chez eux, c'est ils se prennent des moins 30, des moins 21, des moins 40 même des fois, donc ça fait mal pour eux quand ils tombent pas. Il faut qu'ils...
Bah, il faut espérer en réalité, on espère en champion, quand c'est un peu comme moi avec un HDV à l'extérieur, en champion, c'est qu'on souhaite tomber sur quelqu'un qui soit plus haut que nous et qui nous mette qu'une étoile, hein, tout simplement, avec un trophée, donc du coup il prend que l'HDV parce que ça lui sert à rien de mettre 3 étoiles, vu qu'il n'aura toujours que un trophée, à part s'il veut aller se remplir les caisses, mais bon. C'est plutôt rare. Voilà, bah, tout a été dit. En tout cas, ce que j'avais à vous dire sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie, thank you very much, à mes amis de ces Savage Seven. Pardon, j'ai du mal à le prononcer. Il y a aussi d'autres clans qui voient le jour dans le même style. Il y avait Elite 8, etc. pour les HDV8 qui montent aussi très haut. Voilà, il y a d'autres clans qui se mettent un petit peu sur ce modèle-là. Ça commence à être à la mode et je pense que ça va devenir un peu plus facile, entre guillemets facile, de pouvoir monter, grimper haut avec des petits HDV du fait justement que la population se remplit dans ces rangs de trophées là et comme on l'a dit, le rang de trophée bien sûr est un facteur prédominant pour le matchmaking. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.